Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de votre thèse de doctorat? Non, parce que je n'ai pas passé de thèse de doctorat. J'ai cette particularité que quand je suis entré au CNRS pour faire ma thèse de doctorat, c'était le but, mais je répugnais à l'époque, je travaillais sur le cinéma, et je répugnais à faire une thèse avec un jury de gens complètement incompétent, parce qu'à l'époque, les intellectuels, les universitaires ne s'intéressaient pas au cinéma. Mais heureusement pour moi, j'ai pu passer maître de recherche parce qu'ils ont considéré mon livre « L'homme et la mort » comme l'équivalent d'une thèse. Donc, je n'ai pas fait de thèse, j'ai fait un équivalent. Que pensez-vous de la place des sciences humaines et sociales dans la société ? Ben, vous savez, c'est une place assez secondaire parce qu'aujourd'hui elles sont très fragmentées, très morcelées, elles manquent d'une pensée, disons comme fut celle de Max Weber, de Durkheim, de Marx, enfin, une pensée qui domine l'ensemble des problèmes, même si elle n'est pas totale. Donc je crois qu'elle souffre un petit peu de cette maladie de la compartimentation, de la parcellarisation. Donc voilà, elle joue un rôle secondaire et auxiliaire. Et comment faire pour qu'elle soit plus centrale, hein? Il faut qu'elle repense un peu et les fondements, et le monde actuel, et les grandes transformations. C'est un effort de pensée. C'est pas seulement global, mais dans la relation entre le tout et les parties. Et à mon avis, c'est ça qui manque. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Voilà.